Je pense que nous sommes live. Oui, et puis je vais tout simplement faire quelques petites... Oui. Ajustement technique, ça ne sera pas long. J'admets Catherine. Ah oui. Bonjour, Madame Catherine. Et puis, bonjour tout le monde à notre... oui, écoutez, là, je me suis même... J'ai des notes ce matin, là, pour plein de choses à annoncer ou à mentionner. C'est vraiment notre première émission du Cybercafé de la saison estivale. Donc, bonjour, bienvenue tout le monde. Et puis, je me présente, comme vous me connaissez très bien, Paul Lachance. Le père Robert Renaud est avec nous ce matin. Et notre invité spécial, Catherine Marsh aussi. Donc, bon dimanche, un bon dimanche ensoleillé. C'est déjà, on est vraiment dans l'été, le 4 juillet 2021. Et puis, cette semaine, bien, beaucoup de choses à l'actualité. Hein. C'est bien ça, Catherine, la famille de paroisse là, existe vraiment, c'est vraiment fait, fini. La famille de paroisse est là, c'est maintenant la... It's la now. Réalité. C'est la réalité. Ah, excellent. Excellent. Donc, oui, oui, vas-y. Je dis que c'est tellement excitant, mais c'est aussi, il y a beaucoup des autres émotions, juste parce que c'est quelque chose du nouveau. Mais je suis hâte que tout commence. Oui, ouais, c'est vrai. Le changement nous cause souvent des craintes, des appréhensions. Mais après tout ça, quand on passe à travers et puis on apprend à se connaître et à travailler ensemble, on va voir que c'est formidable, cette nouvelle famille de paroisse catholique Windsor-Lac-Saint-Clair. Puis, en fait, et puis on l'a mentionné ce matin, puis c'est dans le bulletin paroissial, mais je veux absolument prendre cette occasion là de féliciter Lynn Stallard, qui est musicienne aussi à la paroisse Saint-Jérôme. Je veux la féliciter pour son nouveau poste. Elle devient agente de pastorale francophone pour toute la famille de paroisse. Et puis elle entre en fonction au mois d'août de cet été. Donc, félicitations, Lynn, pour ta nomination. On est bien content de t'avoir dans l'équipe de la famille de paroisse. Bonjour Père, on a passé par-dessus vous, mais là, à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez à nous partager aujourd'hui? Je ne sais pas s'il est figé. Oui, ça a l'air qu'il est figé un peu. Et Père, êtes-vous avec nous toujours? Non, Père Phil entré dans la chambre, dans le bureau, mais il a déménagé maintenant. Ah, il est parti. Ah. OK, oui. Oui, c'est vrai, on a emprunté son bureau parce que Père Phil, c'est sa dernière journée avec nous. Demain, il se dirige à London. Et puis, à quelle paroisse encore, Père Robert, s'en va-t-il? Holy Cross et Mary Immaculée. Okay. En London, oui. Excellent. À London. Bon. Hey, c'est déjà, à London. Oui, c'est déjà l'été. Des plans de vacances, Père Robert, cet été? Qu'est-ce que vous pensez faire durant vos vacances? Si vous en avez, je sais pas. Je suis allé au kayak et camping. Oh, voilà. Oh, OK. Fait que prendre quelques journées, quelques fins de semaine, ben fin de semaine peut-être pas, mais quelques journées, faire du kayak et du camping. Excellent. Oui. Mm-hmm. Et puis toi, Catherine, qu'est-ce qui t'attend là, comme vacances cet été? Moi, j'aime beaucoup faire comme un staycation avec mes parents parce que pendant l'année, il y a beaucoup qu'on fait avec la paroisse, il y a tant de travaux à faire. Alors pour moi, ce qui est le plus... le mot en anglais, c'est relaxing, mais c'est de faire rien. Alors, moi, je vais à Sarnia, je visite avec mes parents, avec ma soeur, et ils ont un piscine là, et je juste prends du temps pour moi-même à faire rien.
Ah, ben là, nous autres, on attend chez nous, si on attend de voir les, t'sais, d'avoir des directives là, de la santé publique quant au déplacement, on va essayer de trouver un peu de temps, si on nous le permet, là, de se rendre soit dans l'est de l'Ontario, Ottawa, Rockland, où se trouve ma famille d'une part, puis une partie de la famille de Jacqueline, mon épouse aussi, là, dans la région d'Ottawa. Ça fait assez longtemps qu'on ne les a pas vus. Ça serait bien si on pouvait passer quelques jours avec eux aussi, là. Mais on verra bien ce que la santé publique nous dira. Voilà. Beaucoup de changements, ben beaucoup de changements. Oui, dès demain, le nouvel horaire des messes de la famille de paroisse entre en vigueur. Et puis, comme je mentionnais un peu plus tôt ce matin, garder sous le coude le bulletin paroissial que nous avons publié. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir là, parce que avec mon image de fond. Non, ça ne paraît pas trop bien. De toute façon, gardez le bulletin sous le coude parce qu'à la première page, vous avez l'horaire des messes, de toutes les messes en français dans la famille de paroisse. Puis, je vais prendre quelques minutes pour repasser parce que c'est important. Il y a des messes en français, il y en a autant qu'il y en avait avant, mais elles sont distribuées à travers les différentes paroisses de notre famille. Donc, en semaine, comme toujours, la première messe, c'est le mardi, et elle aura lieu ici à Saint-Jérôme, mais à compter de 12h30, la messe. On remet la messe à 12h30, et puis en anticipant que plus tard à l'automne, on nous permettra d'ouvrir un peu plus, puis on sera en mesure d'accueillir, par exemple, les activités du Club de l'Âge d'or le mardi après-midi. Et c'est toujours une belle occasion de participer à la messe avant de commencer ces activités en après-midi. Donc, première messe, ça sera le mardi, 12h30. On veut participer à la messe, mais le mercredi, ça va être à Saint-Simon et Saint-Jude, à Belle-Rivière, 9h15. Et puis, le jeudi, c'est à Catherine, jeudi à 9h15, ça va être à. Oh, je dois regarder. Si je ne le Oh, vois je pas, suis. je n'ai pas tout dans mon cerveau, là. Ah, je suis Alors, déçu un peu, mais c'est à Sainte-Anne. oh, voilà, ça c'est pourquoi. C'est Vraiment, il pourquoi? y a tant de changements qui arrivent et puis je prends beaucoup de temps avec toutes les premières des communions et les OK. confirmations qu'on doit faire. Puis avec toutes les petites précisions comme ça, je n'ai pas un grand tête pour tout. Comprends. Puis moi, ben, je suis chanceux. Merci, bien, J'ai bien. le bulletin, puis j'ai la liste ici. OK. Fait que je voulais pas te mettre, comme on dit, on the spot, là, mais C'est bien, bien. jeudi à Sainte-Anne à 9h15. Puis ensuite, on Bien. revient à Saint-Jérôme pour le vendredi à 9h à l'église. Et puis ça, c'est à l'église en ce moment parce qu'on espère pouvoir retourner à la résidence Richelieu pour Oui. célébrer la messe le vendredi à 9h. Donc, il y a quatre messes en français. Si on peut se déplacer, bravo, on vous accueille dans l'une ou l'autre des trois églises qui offrent une messe en français. Mais sinon, les messes vont être diffusées sur nos médias sociaux. Donc, il y a façon de suivre la messe de la maison. En Puis, fait, oui, vas-y. à ce moment-là, une chose importante, vraiment à la paroisse de Sainte-Anne, c'est qu'on veut, de toutes nos messes en français, ça serait en direct avec notre live stream. Mais pour ça, on a besoin de plus de volontaires pour être, qu'on peut enseigner comment le faire. Et alors, on a besoin encore de personnes qui peuvent nous aider de cette part. Mais la grande chose, c'est que ce n'est pas trop difficile et nous enseignerons quoi faire. Alors, c'est un petit appel pour les bénévoles. Oui. Bien, puis là, ça va être la même chose pour nous à Saint-Jérôme. Présentement, je m'occupe de la diffusion des messes durant la semaine. Durant l'été, on va aller une étape plus loin avec notre projet d'équipement technologique parce qu'on va faire installer des caméras de qualité Oui. professionnelle et l'équipement nécessaire. Et puis oui, ça va nous prendre des bénévoles, des personnes qui sont intéressées à s'occuper de la technologie et puis de diffuser les messes pour nous. Donc, ton appel à l'aide, Catherine, tombe à pile parce que c'est la même Voilà. chose pour nous. À l'automne, on va vouloir retrouver des bénévoles pour
partager la tâche à travers, tu sais, que ce soit plusieurs personnes qui s'en occupent, pas toujours une personne qui est prise à s'occuper de tout ça. Puis ça donne, à ce moment-là, bien, c'est une autre façon de s'impliquer dans la paroisse, puis dans les activités de la paroisse. Fait que oui, là, on parle de la fin de semaine. Puis ça devient extrêmement important. Je vais rappeler les heures des messes. Le samedi, la messe est à 4h30 de l'après-midi et c'est de Sainte-Anne. Oui. OK? On sait que Lynn et Mélanie vont se partager les responsabilités de l'animation et du chant des messes, mais je suis pas mal certain qu'on va avoir besoin des bénévoles pour placiers, lecteurs-lectrices, ministres de la communion, des choses comme ça. Fait que n'hésitez pas, glissez votre nom à Véronique ou un petit courriel à Véronique et puis on va prendre note de vos noms pour être capable d'organiser des listes de bénévoles pour nous aider avec la messe à 4h30, 16h30 de l'après-midi, le samedi, à l'église Sainte-Anne. La messe du dimanche, elle est à 10h, ici à Saint-Jérôme. Et puis, c'est la même chose. Oui, on a déjà des équipes de placiers, puis de lectrices, lecteurs et ministres de la communion, mais si vous êtes intéressé à vous ajouter à cette liste, même chose. Un petit mot, un petit appel à Véronique, et puis on va pouvoir vous intégrer à la liste. Et puis, on sera bien content de vous avoir, de vous offrir votre bénévolat pour appuyer l'Église. On est bien content avec ça. Ensuite, C'est une bonne oui, vas-y. opportunité aussi Oui. pour les familles. On veut vraiment que ce sera comme une nouvelle résurgence de la francophonie ici à Windsor ou à Essex, que avec les familles, avec même si on a les jeunes qui veulent s'impliquer, on veut que tout. C'est une grande opportunité pour la francophonie parmi notre famille de paroisses. Alors, on espère que tout le monde soit invité, mais ce n'est pas seulement juste d'être bénévole, mais c'est vraiment aussi une opportunité de s'impliquer dans la communauté. Alors, je fais ce que je peux pour dire Oui, rejoindre. tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et puis, le dimanche aussi, il va y avoir une messe à 6h30, en début de soirée, 18h30, à l'église Saint-Simon-Saint-Jude de Belle-Rivière. Ça, c'est une messe en français, mais on va alterner un dimanche en français, un dimanche en anglais. Donc, là, quand est-ce qu'il va y en avoir une en français, Saint-Simon-Saint-Jude, etc. Bon, écoutez, ça, évidemment, c'est tous les petits détails là, qu'il faut s'organiser pour bien diffuser puis partager avec tout le monde. On va commencer avec une chose. Puis là, ici à Saint-Jérôme, on a eu 3 semaines pour se pratiquer parce qu'on utilise depuis 3 semaines l'application FlockNote Oui. pour vous envoyer un courriel le mardi, vous invitant à vous inscrire à la messe. C'est tellement beau et simple parce que, puis je sais que ça a été bien accepté parce qu'on a vu beaucoup de paroissiennes, paroissiens l'utiliser pour s'inscrire à la messe, à une ou l'autre des messes de fin de semaine. Donc, on va continuer d'utiliser ce service-là. Et puis, à titre d'exemple, mardi, quand on va envoyer le courriel à toutes celles et ceux qui sont inscrits pour recevoir le bulletin électronique et les autres communications électroniques de la paroisse, vous allez recevoir ce courriel qui vous invite à vous inscrire à l'une ou l'autre des messes qui est diffusée en français durant la fin de semaine. Donc, mardi, vous allez pouvoir choisir entre la messe de 4h30 à Sainte-Anne ou la messe de 10h à Saint-Jérôme. Puis là, je vais vérifier, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je pense ou je crois que la première messe à Saint-Simon et Saint-Jude C'est à en français. 6h30, c'est en français, hein, Catherine? Oui, puis Père Patrick a parlé au sujet de ce sujet le c'est le Au mot, café un virtuel. café virtuel en anglais. Alors, oui. OK, excellent. Bon, donc, mardi, le courriel va contenir 3 différents liens pour vous inscrire. Soit à 4h30 à Sainte-Anne, soit à 10h à Saint-Jérôme, ou soit à 18h30 le dimanche à Saint-Simon et Saint-Jude. Bon, maintenant, là, on sait que ce n'est pas tout le monde qui a une adresse courriel ou une tablette électronique ou accès à l'Internet, quelque chose comme ça.
si on le comprend très, très bien. Puis, on l'a mentionné ce matin à l'église, lors de la messe de 10 heures. Le service téléphonique sera toujours là. Oui. Donc, pour nous à Saint-Jérôme, ici, là, les heures d'accueil sont du mardi au vendredi, 9 heures à midi, 13 heures à 16 heures. Donc, on vous encourage, s'il vous plaît, celles et ceux là, qui doivent téléphoner pour s'inscrire à une ou l'autre des messes, s'il vous plaît, faites le tôt. Parce qu'une fois le courriel envoyé, le travail d'inscription est extrêmement facile. Je choisis la messe, je clique sur le lien inscription, on me demande quelques questions, on confirme, oui, je viens seul, non, je viens avec les enfants, donc voici le nom de mon épouse, les enfants, tac, tac, tac. Enter. Et puis c'est parti, puis vous allez recevoir une confirmation en dedans d'une demi-heure, 45 minutes. Donc, tu vois, c'est très, très vite en ligne. Et puis, évidemment, chaque inscription qui entre, le nombre de places diminue. Et on est encore sous le règlement de la santé publique. C'est 25% encore. C'est ça. Puis, comme je disais cette semaine, quelques paroissiens me demandaient, ça va ajouter beaucoup de places. On est passé de 15 à 25. J'ai pas beaucoup parce que ce n'est pas seulement 25 %. Si c'était 25 % de l'Église, ça, c'est 90 places. Mais on doit s'assurer entre les familles et les individus, la distanciation physique. Fait que rapidement, ça diminue le nombre de places dans l'Église. Ouais. C'est pourquoi venez, faites ça tôt, votre inscription. Puis je vous suggérer, comme bon citoyen, bon citoyenne, bon paroissien, bonne paroissienne. On sait qu'on ne pourra pas accueillir à Saint-Jérôme, par exemple, à la messe de 10 heures, tout le monde qui veut venir à la messe. Bien, participez cette semaine, la semaine suivante, sauter une semaine, laisser la place à d'autres paroissiens qui souhaiteraient participer à la messe. C'est peut-être une façon là, de donner l'occasion à plus de gens à venir à la messe de 10 heures. Parce que pour toutes sortes de raisons, peut-être se déplacer pour aller à Saint-Anne le samedi, ça ne leur convient pas, etc. Tu sais, c'est toutes des petites choses. Là, ça peut causer bien des frustrations au début là, avec les changements, mais c'est toutes des petites choses là, qu'il va falloir qu'on s'organise pour rendre ça agréable. Puis même juste attendre comme un jour après le mardi, d'attendre comme au fin de la mercredi ou de jeudi. C'est juste assez de temps pour les personnes. Si on a eu la chance d'aller à l'église la semaine passée, si on attend comme quelques jours quand on commence à enregistrer tout le monde, c'est juste une opportunité pour les autres qui n'ont pas eu la chance la semaine passée de s'inscrire en avant. Et puis, si on appelle, il y a déjà des places, c'est bien, venez toutes les semaines. C'est juste oui. Un petit peu de place, oui, un peu de temps. Oui, puis moi, juste rappeler que Catherine, tu pourras me le confirmer pour Saint-Anne. On ne sait pas exactement pour Saint-Simon et Saint-Jude, mais ici à Saint-Jérôme, la messe de la semaine, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Oui, c'est le cas, oui. C'est la même chose à Saint-Anne. Oui, c'est la même chose à Saint-Jean. Pendant la semaine, c'est première arrivée, première servie. Tu viennes, tu donnes votre nom et votre numéro de téléphone et puis on te place. Et puis, quand nous sommes tout remplis, on doit fermer les portes. Mais quand nous sommes à capacité. Mais après ça, c'est première qui arrive, première servie. Exactement. Puis c'est essentiellement à peu près la même chose à Saint-Jérôme. Vous arrivez, vous remplissez le petit formulaire qui est là sur la table, et puis vous vérifiez votre température, désinfectez les mains, puis bienvenue dans l'église, on vous accepte pour la messe. Père Robert, vous m'avez parlé un tout petit peu là, du mot de la semaine que vous avez appris. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, le mot de la semaine, toujours, est Méli-Mélo. Méli-Mélo. Depuis que je déménage à Belle-Rivière demain,
ma chambre est un millimélo maintenant. Oh, voilà. OK. Donc, déménagement à Belle-Rivière. Et puis, qui sera l'autre prêtre qui va demeurer avec vous à Belle-Rivière? Oui, je vais rester au presbytère avec le père Steve, le frère de Catherine. Oh! Oui. Oh, oui. Et le père Patrick et le père Marc seront au presbytère de Sainte-Anne. OK. Il va falloir demander, Catherine, parce que tu as une connexion spéciale avec le nouveau vicaire. Là. On a les mêmes parents. Là. Okay. Il va falloir lui demander qu'il nous envoie peut-être une petite biographie de lui, là, qu'on puisse mettre ça dans le bulletin paroissial de Saint-Jérôme, puis une photo, parce qu'on aimerait bien le connaître aussi, là, le père Marsh. Oui, j'ai pensé qu'il y a quelques semaines qu'il a déjà mis un petit bio, mais peut-être pas à Saint-Jérôme? Non, c'était en anglais seulement. Fait que, si on a la photo puis la petite biographie, on va s'en occuper cette semaine pour commencer. Parce que les gens sont hâte de rencontrer le père Marsh aussi. Oui, puis là, la raison là, c'est parce que moi, je parle un peu de français, mais lui, c'est vraiment un petit peu. Alors, pour lui, c'est difficile à écrire en français et tout ça. Alors, il n'est pas vraiment quelqu'un qui a apprendre le français de la même façon. Alors, on peut lui demander peut-être un peu d'aide de Véronique ou de Parfil ou quoi que ce soit, qu'on peut faire la traduction là, de son petit bio. Très facilement. S'il nous l'envoie, on va s'en occuper, c'est certain. Puis très rapidement, là, on va... programme pour les enfants cet été, on avait l'église du dimanche, puis on avait aussi des publications sur la page Facebook pour les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, Catherine, qui nous attend les enfants? Pas cette semaine. vraiment, ce qui arrive à ce moment est Chris Laffert à Good Shepherd, puis il a une équipe des jeunes qui étaient... c'est pas le mot, hired en français, c'est quoi? Embauché. Qui était embauché pour faire des différentes activités pour les jeunes dans nos familles de paroisse. Et je sais qu'ils ont juste commencé cette semaine passée à penser les aider à faire. Et c'est une équipe bilingue. Alors, il y auront des choses à faire en français, mais on n'a pas encore, on ne sait pas encore. Quoi ce serait, mais il y aura quelque chose. Oui, excellent. Et puis, en fait, on va accueillir l'équipe de jeunes cette semaine à Saint-Jérôme. Ils seront ici pour la messe à midi et demi mardi. Ce sera le Père Robert qui célébrera la messe. Donc, on va avoir l'occasion de rencontrer nos cinq jeunes qui vont nous aider durant l'été dans ce projet. Superbe. Bon, j'ai vu que le père Robert a quitté parce que c'est vrai, le père Phil et le père Wonder et puis le père Robert, tout ensemble, sont en train de donner un bon coup de pouce au père Phil là, pour compléter ses valises parce qu'il quitte, c'est sa dernière journée dans la famille aujourd'hui, puis il va nous quitter. Donc, on lui souhaite bon succès, santé et longue vie à London. Père Robert, le mot de la fin est à vous. Est-ce que vous accepteriez de nous bénir, une bénédiction spéciale, étant donné là, que c'est notre premier dimanche de la famille de paroisse et qu'on va souhaiter à tout le monde une excellente semaine? Une bénédiction, Père Robert? Oui. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Je vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu, certainement. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Salut.